arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus le petit passe à bricou, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation deck avant que la vidéo commence les gars. Vraiment important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à noter mon petit overlay. Et posez des questions les gars, c'est sur Insta. Et puis, on va faire un petit PK Bridge avec le poison. Un PK Bridge classique. On va se faire trois petites games. Allez, c'est parti contre Gona GG. Allez, on a un petit fantôme ici, tranquillement. Ok, pour l'instant, ok, bûcheron, on va mettre une petite boulot sur le map. Bah, le ballon, c'est chiant. Je sais pas, on va se prendre un coup, je suppose. Ouais, malheureusement, je vais mettre peut-être le zap. Évidemment, c'était vraiment un des pires matchs possibles, let's go. Écoutez, il a plus de ballon, il a plus de bouliste. C'est pas seulement partir en PK. Tac tac tac. Ouais, le PK qui va carry, je pense. Là je pense, il y a moyen de prendre la win sur ça. Il a plus de bouliste. Enfin, moi j'ai plus le. Sur CX, c'est pas grave. Là je pense, je vais push ouais, une line. On a le zap ici, on a Archimagique qui a fait un gros gros taf. Ok, on a le zap ici, c'est pas trop mal. Ok, on a pris la tour, ça me va, ça me convient, on a pris la tour, maintenant j'ai juste à défendre. Je pense que je vais pas faire que défendre, je vais aussi attaquer parce que ballon ça part, voilà, voilà, ballon ça part très vite, c'est exactement ce que j'allais dire. On va prendre un coup, j'espère pas deux, ça serait relou deux. Ah d'accord, c'est ce truc qui a décidé, c'est... Ah, ah c'est très con ça. Ouais, là le jeu qui était beaucoup trop forcé. Il met de gros dégâts sur tour du roi, ça c'est pas trop mal. Non, c'est tour du roi quand même. Hein. Ok, bon, je pense qu'on va partir tour du roi, c'est plus simple pour moi. Voilà, on a mis beaucoup plus de dégâts. Dans petit bélier pression, je sais qu'il a le boulis, donc je dois plus faire ça, c'est inutile. On se disait quoi? On va pas être archéologique, ça rien, il est dans l'axe. Bon, encore une fois, il a plus de boulis, donc c'est le moment. Hop, c'est parti. TPK. Attention à son bûcheron ballon. Ok, il met son D2, très très bien. Oula, il met la darole là. Ok, on va aller mettre le poison. Le petit archer, on dira, je pense, zap ou ici. Ok, ça on a les whiz, hein, c'est pas trop grave. Hop, déjà. Et là, les gars, c'est le moment. Ah, là, il a plus de... Non, s'il te plaît, meurs pas. Meurs pas. Oh, t'es un génie. Alors les gars, là, couscoussière, je vous le dis. Là, c'est la bamboula, c'est parti. Le spam, c'est maintenant, tout de suite, sur RNG. Ok, il a fait de la merde, donc on va aller direct archi-magique pour aller essayer de le punir. C'est parti, on spam, le coup de PK, et on va aller prendre cette première rune contre un match-up assez compliqué, on va passer le mytho. C'est pas les match-up les plus faciles du monde. Hein. Bon, ça c'est nickel. Allez, c'est parti, deuxième game. Ok, c'est parti, deuxième game contre Mad Daddy. Ok. Ok, on va mettre un petit photo au fond de cette fois-ci, je fais une défiette pour tempo, donc comme ça reste au pont et c'est pas mal. Ah non, pas de l'Arkix. Si, vous coupez. Bon, bah c'est de l'Arkix, hein. Yes. On va bien garder notre PK du coup. C'est ça le plus important. Garder le PK. Allez, mettre une petite volose ici, fond de map, ok, il met une boule de feu, logique pour l'instant, on tempo. Ok, la volose qui fait son taf. Est-ce qu'il y a un des squelettes, trois shot squelette peut-être. Ok, nickel, la volose qui dash, ça c'est pas mal. Ok, on est en train de prendre des dégâts, on va mettre le petit bélier fond de map tranquillement. J'ai ces trois cartes là, j'allais les garder, donc on va toujours cycler. On va en simuler une test lâche peu poison. Je vais poisson en tous les cas, ce qui va. Il va sûrement tenter une Tesla. Ok, il a un chevalier. Bon, ça va. On est pour l'instant kit. Oh, j'ai un truc dans la gorge, c'est horrible. Ok, l'archer magique pour le snipe. On va aller mettre de gros dégâts sur ça. Ok, il met son premier Arkix. On a le PK ici.
il vient se mettre dans la giga sauce tout seul, comme un grand. Là, là, gros, tu forces, hein. Voilà. Force X, c'est mal. Et s'il te plaît, va sur l'Arc X. Va sur l'Arc X, ça, au plus, je peux. Merci. Ok, parfait, ça me va. Je pense qu'on va faire, c'est que là, il a plus de bâtiment. Il a une bûche. Du coup, bah écoutez, je vais partir en fantôme au pont en pression. Je vais voir ce qu'il a comme réponse, donc la Tesla va pas se lever, c'est une certitude. Ok, chevalier, très bien. C'est dommage qu'on ait pas l'archer, là, j'aurais bien aimé le snipe. Ok, la voleuse. Ok, tant, il retente un Arc X. Hop. Parfait. Wesh, ça focus pas la... Ah. Bah par contre, gros, focus le bon que tu es, s'il te plaît, au moins, fais un effort. Ça fait mal, hein, sa merde, là. Wesh, tape l'Arc X un jour, non? Ok, on va de l'archer ici. T'en as le poison pour terminer. Là, j'ai juste un full def. On va pas se mytho. J'ai juste full def. Mettre des poisons offensifs et au bout d'un an, ça va bien passer. Ok, le fantôme qui gratte, ça c'est pas trop mal. On va lui mettre un petit PK ici. Dans tous les cas, il va devoir partir l'Arc X au côté, opposé, mais il le fera pas. On se voit qu'il est pas très fort. Ok, il a un peu les mettre l'archer magique ici. Pour les snipes. Donc il est obligé de. Ouais, il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. Bah là écoutez, on va mettre un poison et on va continuer de tempo, hein, écoutez. On va attendre le. On va mettre le bélier, on va pas prendre de risque. On a la voleuse aussi après. Et on a le zap si vraiment il y a besoin de reset. Je pense qu'il n'y a pas besoin de reset puisque on va aller prendre cette win contre Hard Counter littéralement. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait du bien au mental. On va pas se le cacher. Et c'est parti pour la dernière game de la vidéo contre Mugi. Mugi, c'est parti. Petit fantôme au pont, toujours. Hein. Fantôme voleux, c'est les cartes qu'on veut cycler. Ok, mais des zappies, très bien. On voit les zaps, comme ça, moi, ils vont se faire two shot. Voilà, parfait. Ouais, c'est souvent two shot de base. Ouais, je pense que, ouais, je sais pas. Ok, petite voleuse au pont, tranquillement. On s'installe pour l'instant, là on va aller à tour du roi, faut pas déconner, j'ai raté mon activation sur du roi, je suis vraiment un quignol. Et là je vais me mettre dans ma sauce parce que c'est ce qu'il me fallait pour défendre, ouais voilà. Bah, là je suis un sacré gros quignol quand même. Hein. Vas-y, mon beau fantôme ici. Hop, parfait. C'est bon, j'ai aussi à défendre avec les moyens du bord, mais... Ouais, j'aurais peut-être pas dû rater l'activation tour du roi parce que j'ai l'occasion sûrement pas se présenter deux fois, je suppose. Ok, bon là je pense qu'on va juste aller faire tourner. Je pense qu'on va aller, on va aller kite. Ok, c'est parti, petit kite ici. Cours, cavale, Kenny. Ah vas-y le chien. Oui, il défend. Ok, on bien joué de sa part. Des fois qu'il y a un esprit. Ok, un petit voleuse au pont encore une fois. L'archer, c'est de ma carte clé parce que ça va le faire chier, il va devoir bout de feu à chaque fois. Ah ouais, à ce point là, Delta est un archer très très haut. Hop. Parfait, il met des apisos aussi. Je pense que je vais aller poison ici. J'ai mettre un petit fantôme aussi. Hop, ouais, nickel. Là, j'ai une bonne défense. Wesh, tapé, mais... Frère, mon fantôme. Bon, bah, yes, mon fantôme qui a décidé de faire des cookies. Let's go. Ok, bien, fui à barbare. Parfait. On a un fantôme qui défend tranquillement. Voilà. Toujours le même principe de défendre. De contre-attaque, je veux dire. Voilà, ça c'est sympa. Bon, on va devoir assumer des dégâts à gauche. Écoutez, j'ai pas trop chaud. Oh la voleuse, je l'aime. Oh la voleuse qui revient là, ça fait plaisir. Je pense qu'on va tenter double. On va pas tenter double pression. Mais il y a encore un scooter. Ça fait 3 scooters dans cette vidéo. Là, vous aurez vu tous les matchs complexes. Vous voyez que c'est pas facile. Hein. Même si les mecs sont nuls en face, c'est pas facile. Hein. Le recru, c'est vraiment, c'est impassable. Hein. Si le mec il joue bien, il met recru à chaque fois et je peux rien faire. Alors, on va tenter un poison. Ouais, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais voleuse là. Je pense, je vais essayer d'aller. Non, pas les snipes. Ok, on va partir PK à gauche. Ok, parfait. Ok, petit fantôme à droite, tranquille. Pour l'instant, je vais essayer de me démerder sans... Ok, là, c'est la sauce. Ok, là, il met tout sa daronne. Vous voyez que ça touche les cochons. Voilà, nickel, c'est ce que je veux. Les cochons, c'est ce qu'ils font mal, donc ça défend. Parfait.
Première défense très très clean de ma part. Et là on peut tenter d'envoyer la couscoussière. On tente une double pression, c'est très important. Double pression, c'est ce qui peut le faire chier. Pas mal, c'est pas mal. C'est de la merde. Nul. Ok, bah tenter de partir, je suppose. On a le PK, j'attends un petit peu, je mets de l'archer d'abord en premier. Et si cochon, j'ai mon PK, voilà, nickel. On va essayer de protéger un maximum mon archer magique, c'est plus important. L'archer, c'est ce qui va aider à mettre des dégâts. Défendre les troupes chiantes, genre de type machine, tout ça. Ok, là on peut déconnecter un bélier. Là, il y a un monde où la win. Ok, l'archer. Ok, on va mettre un deuxième archer. Mettre un petit fantôme ici tranquillement. Voilà, parfait. Qui va tirer l'attention surtout. Quand il a envie. Ok, là c'est le moment où c'est l'heure de paniquer. Non, c'est bon. Tout va bien. Faut faire CF à droite maintenant. Parce qu'à droite il y a eu pas mal de dégâts. Là, on a pas mal de troupes sur le bord. C'est pas trop mal. On a un petit poison sympathique à prendre. Le bébé qui va les connecter. Et je pense qu'on va les win sur ça. Bien sûr qu'on va les win cette game. Très compliquée contre Mugui. Bon, on verra que Dark Hunter qu'on s'est tapé. Enfin, le premier, je sais plus ce que c'était, on se tapait Arkix, Dark Hunter. Ouais, c'est que Dark Hunter. Bon, bah, ça fait plaisir de regarder le profil. Bon, voilà, il était nul. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs pour le bleu. C'était vrai. Ciao.